Alain Ménez-Guen, bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, l'IFREMER. Et vous êtes ici aujourd'hui pour revenir sur un feuilleton qui a animé le débat durant une large partie de l'été, celui des algues vertes. Ces algues vertes qui se trouvent en masse sur certaines plages des côtes bretonnes seraient, selon des dernières analyses, à l'origine de la mort de 36 sangliers au mois de juillet. En cause, l'hydrogène sulfuré, un gaz toxique émis par les algues en décomposition. Tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler ce que sont les algues vertes? Alors d'abord, il faut savoir que ce sont des hôtes normaux, habituels, de la flore de Bretagne. Il y a toujours eu des algues vertes qui appartiennent donc à la famille des chlorophycées sur nos côtes, mais elles étaient en petite quantité il y a, mettons, 50 ans. Elles étaient placées en haut de l'estran et plutôt dans des mares stagnantes à marée basse, vous voyez, où elles avaient un peu plus d'azote que dans la mer plus ouverte. Mais ce qui a changé depuis 50 ans, c'est que dans ces zones-là, l'homme a introduit involontairement d'énormes quantités d'azote qui n'existent pas dans la mer côtière tempérée et donc bretonne. Pour vous donner un ordre de grandeur, si on dit que l'eau de mer en hiver, là où elle en a le plus, contient une unité de nitrate, une eau de rivière normale, non polluée, c'est déjà 10 fois plus. Mais en Bretagne, nous sommes arrivés à des rivières qui ont 100 fois plus de nitrate que l'eau de mer dans laquelle elles vont se diluer. Du nitrate dans de l'eau de rivière qui ensuite se diffuse dans la mer et c'est ça qui est à Voilà. l'origine de l'expansion Voilà. des algues vertes. Voilà. Parce que ce sont des algues qui étaient limitées jusque-là par la faible richesse de l'eau de mer en nitrate, en azote en général, hein. Et donc, depuis que l'agriculture intensive s'est vraiment installée en Bretagne, c'est-à-dire à partir des années 60, on a vu dans les rivières la concentration en nitrate pratiquement décuplée en 20 ans. D'accord. Alors, une fois que les algues vertes se retrouvent sur les plages, elles pourrissent, elles dégagent du sulfure d'hydrogène, et si c'est ce qui serait a priori la cause du décès de ces 36 sangliers. Selon les derniers résultats, est-ce que vous pensez qu'on peut dire aujourd'hui, affirmer que c'est bien la cause de ces décès? Ce que tout le monde sait, c'est que de l'hydrogène sulfuré, H2S, donc ce gaz à odeur d'œuf pourri, quand c'est très concentré, est mortel très rapidement pour tous les vertébrés. Donc en gros, si vous avez 1000 ppm dans une bouffée de gaz qui sort de ces algues qui vous arrive, que vous respirez une fois, vous commencez par tomber inanimé. Enfin, et si personne ne vous retire de cet endroit à forte teneur en H2S, vous allez mourir en quelques minutes. C'est ce qui est sûrement arrivé aux sangliers. Donc, si vous voulez, sans aller chercher aucune autre cause de mortalité, il y a de façon absolument certaine la dangerosité de l'H2S dans l'état d'algues en putréfaction. Alors, ces tas d'algues se trouvent en haute plage, hein, surtout quand les marées sont de moins en moins fortes, elles remontent moins haut sur les plages. Et donc, elles ne reprennent pas cette masse qui va stagner longtemps et qui va pourrir. Et le problème vient du fait que le soleil va durcir la couche supérieure des tas accumulés en faisant une croûte imperméable. Et sous cette croûte, les algues vont mourir et se décomposer très rapidement en l'absence d'oxygène. Il n'y a plus d'oxygène qui vient. Donc, ce sont des bactéries qui sont spécialisées dans les milieux sans oxygène, hein, anaérobie, qui vont vivre du sulfate qui est dans les ulves et le transformer en sulfure. Et c'est ce sulfure d'hydrogène qui va s'accumuler sous la couverture durcie du tas. Et si vous crevez cette couverture du tas d'algues, la pression va être très forte et va donc dégager momentanément une teneur très élevée en hydrogène sulfuré. Le crever simplement marchant dessus, par exemple. Absolument. Qu'en est-il du danger pour l'homme, justement? On sait que durant l'été 2009, un salarié de l'usine de compostage de Launay-Lantic décède alors qu'il est en train de décharger ses algues vertes. Alors, bon, je pense que si vous voulez, il faut distinguer des teneurs très très fortes qui peuvent sortir donc au moment où on crève une poche, mais qui durent que quelques centaines de secondes, hein. Alors qui peuvent être mortels à très très brève échéance, quelques minutes. Des teneurs beaucoup plus faibles qui se dégagent en permanence dès que en fait ces dépôts sont plus ou moins remués, soit par
par la mer, soit par les travailleurs qui les ramassent. Il semble que, si vous voulez, ça fragilise un certain nombre de systèmes de notre corps, et en particulier tout ce qui est lié à la respiration cellulaire. Donc, surtout si quelqu'un a des sensibilités particulières à ces aspects-là, il ne faut pas qu'il aille travailler dans ces endroits. Et il est bien possible que ce monsieur, à force de respirer quand même des teneurs moyennement concentrées en H2S, ait eu des problèmes respiratoires et cardiaques. On a beaucoup évoqué le rôle des agriculteurs, dont les activités pourraient être à l'origine justement de cette propagation des algues vertes. Après cet été, est-ce qu'on peut l'affirmer? En tout cas, est-ce que vous diriez que c'est le cas? Ah, mais c'est ce que nous avons toujours affirmé depuis 25 ans maintenant à l'Ifremer. Si vous voulez, l'azote peut venir de diverses sources. Soit de sources naturelles d'abord. Il y a toujours eu de l'azote qui descendait les cours d'eau. Mais je vous ai dit, c'était de l'ordre de 1 à 2 mg de nitrate par litre. Il y a de l'azote dans la mer, mais c'est très peu concentré et insuffisant pour faire pousser des huiles. Il y a de l'azote qui pourrait venir de l'activité industrielle, mais en Bretagne, c'est très faible. En particulier sur certains bassins versants, c'est totalement inexistant. Il y a de l'azote qui vient de la présence humaine, donc les rejets urbains. Mais depuis maintenant une décennie, la plupart sont extrêmement bien traités dans des nouvelles stations d'épuration. Et on chiffre à 1,5-2% leurs apports dans les baies où il n'y a pas de grosses villes présentes par rapport à l'ensemble de l'azote qui arrive du bassin versant. Donc il reste dans ces baies, en gros, 98% de l'azote qui arrive par les rivières, qui vient du bassin versant, qui se jette en mer, qui est issu du lessivage des excédents de fertilisation des terres agricoles. Justement, la question qu'on se pose, c'est que faire pour stopper ou en tout cas diminuer cette propagation des algues vertes? L'océanographe que je suis dit que, premièrement, c'est un phénomène vivant. Les algues vertes sont vivantes. Donc, les ramasser quand elles sont là, vivantes, on ne pourra jamais le faire de façon intégrale. Donc, tout ce qui va rester va repousser et en 2-3 mois, si on ne fait rien, va redonner la biomasse initiale. Donc, c'est un phénomène de perpétuelle repousse, au moins pendant la belle saison. Donc, nous disons que le ramassage est un pis-aller, ce qu'on fait depuis 30 ans, mais ça ne résoudra pas le problème des algues vertes. Donc, pour le résoudre, il faut couper l'alimentation azotée de ces plantes, ces algues. Et pour faire cela, il faut forcément attaquer le dernier maillon qui rejette encore énormément d'azote sur les bassins versants. Donc ce ne sont plus les villes, parce qu'elles ont fait un énorme effort, c'est l'agriculture. Donc la première chose à faire, c'est en gros de diminuer d'un quart les apports d'azote fertilisant sur la Bretagne. Là, on peut espérer qu'on aura l'équilibre azoté de la production végétale en Bretagne et que donc les rivières vont redescendre à des taux de nitrate acceptables. Et dans nos calculs, par modèle mathématique, nous disons toujours que presque partout, il faudrait descendre au moins à 10 mg dans nos rivières pour voir les marées vertes diminuer de moitié, en gros. Et si on voulait vraiment les rendre tout à fait négligeables, ces marées vertes, elles ne seront jamais supprimées, parce qu'il y a toujours eu des algues vertes en Bretagne. Il faudrait descendre en dessous de 5 mg. Et est-ce que, selon vous, on pourrait parvenir à un consensus entre justement les chercheurs, le gouvernement et les agriculteurs pour arriver dans un premier temps, à ces 10%? En fait, le consensus, il est difficile. Pourtant, on ne peut pas reprocher aux scientifiques de l'Ifremer. Nous étions deux à l'Ifremer et puis nos collègues aussi du CEVA, Centre d'études et de valorisation des algues, qui est dans les Côtes d'Armor, d'avoir fait de l'information depuis 20 ans. Nous avons été dans de très nombreuses réunions professionnelles, administratives, nous avons fait des exposés grand public. Si vous voulez, la première chose que l'on demande, nous, en tant que scientifiques, c'est que, d'abord, il n'y ait plus de déni de ce que nous avions dit il y a 25 ans, mais que tout le monde a pu vérifier sur le terrain depuis.
Parce que si on continue à avoir un déni de la part de certains syndicats agricoles sur le rôle de l'agriculture dans la création des marées vertes, je ne vois pas comment on peut arriver à des mesures efficaces. Donc la première chose, c'est d'avoir un consensus total sur le rôle majeur de l'agriculture. Bon, après, évidemment, la solution n'est pas très facile, sûrement, et n'appartient pas à un océanographe comme moi de la définir. Mais les agronomes sont là pour ça, et puis les agriculteurs aussi d'ailleurs, pour essayer de trouver des solutions qui soient économiquement quand même pas trop pénalisantes, mais qui diminuent 20% les apports d'azote sur la Bretagne. Si on ne met pas ça en objectif premier, nous n'aurons jamais de réduction des marées vertes. Ça annonce des prochains étés difficiles, ce que vous dites ? Ah, je suis convaincu que nous avons pour plusieurs années de très fortes marées vertes en Bretagne, enfin d'ailleurs des marées vertes qui ne baisseront pas. Elles baisseront naturellement lors d'étés très secs. Mais pour une année de pluviosité moyenne, voire forte, la masse de nitrate continue à arriver de façon très intense aux eaux marines. Donc, tant que les concentrations n'auront pas baissé énormément, nous aurons toutes les marées vertes que l'on connaît en Bretagne. Une dernière question, comment est-ce que vous, en tant que chercheur basé en Bretagne, avez vécu cet été ? Fait de polémiques, de débats, de discussions ? Ben, je le vis un peu douloureusement parce que, si vous voulez, je pensais que les gens étaient quand même assez sensés pour reconnaître au moins la cause du phénomène. Après, les remèdes, c'est une autre affaire. Ça ne se tient pas comme ça d'un claquement de doigts, c'est vrai. Mais j'avoue que je ne comprends pas qu'on en soit encore pour une certaine fraction du monde agricole au déni absolu du rôle du nitrate dans les marées vertes et du rôle de l'agriculture. Pour moi, c'est incompréhensible. Et donc, oui, je trouve ça assez plus que décevant, navrant. Et donc, je le vis un peu douloureusement parce que ma première publication sur le sujet date de 1988, vous voyez, et nous avons commencé en 85, donc ça fait 25-26 ans que nous avons publié nos résultats. Et il faut encore se battre pour les prouver. Donc, on nous demande, la préfecture de région, par exemple, nous demande de donner encore pour la N plus unième fois nos arguments, ce que nous faisons d'ailleurs, contre des allégations totalement fantaisistes et voire surréalistes. Donc c'est vrai que je ne pensais pas, il y a 20 ans quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, observer un tel déni de résultats finalement assez simples à comprendre. Donc effectivement, je suis un peu amer, oui. Merci beaucoup, Alain Menesguen. Merci.